Alors, samedi après-midi, notre petite Raya, elle est contente comme tout parce qu'elle a été un petit peu effrayée, d'une part parce que j'ai utilisé une débroussailleuse avec laquelle elle aurait volontiers joué, sauf que bon, évidemment, elle n'aurait plus ces jolies petites pattes là. Donc j'ai dû me fâcher à rouspéter. Et puis ensuite la tondeuse. Alors ça, la tondeuse, elle n'aime pas trop finalement. Hein. Yago tournait après, mais Raya, elle préfère s'abstenir. Hein, ma cocotte, mais par contre, elle est belle, elle est gentille, cette fille. Ah oui, ça, c'est une vraie. Hein, ma cocotte, elle était belle. Oh, elle était belle. Voilà, quelques images supplémentaires dans quelques minutes. Ça, c'est la sérénité retrouvée. Le calme après la tempête, l'épouvantable tempête. Une trace. L'autre est quasiment invisible. Sur les doigts, ça s'est bien... Ça a très très bien cicatrisé. La main gauche et puis la main droite, donc là on a davantage de dégâts ici, là on a eu davantage de dégâts, mais c'est quand même, non pas là, ici, mais c'est quand même en bonne voie de cicatrisation. Puis il y a un doigt également qui a morflé le chaman ici, mais donc voilà, on retrouve là. La joie du son des mobilettes. Et la joie d'être la chérie de son maître, hein, mon bébé, au calme, sans aucune crainte de quoi que ce soit. Oh, mon bébé d'amour, hein, ma fille. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, dans ce beau trottoir. Oh, qu'il est beau! Oh, il est beau! Oui, super! Pour ma fille, à moi. Oh.